Bonjour et bienvenue dans cet espace d'apprentissage. Notre séance d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du module d'apprentissage numéro 5, poésie, et porte sur les procédés d'écriture. Alors, on commence par présenter les objectifs de la séance. Premier objectif, identifier les figures de style du module 5 et en expliquer l'emploi. Nous allons voir la gradation, l'anaphore, la périphrase et l'euphémisme. Deuxième objectif, nous allons identifier et analyser d'autres procédés d'écriture, lexicaux, syntaxiques et stylistiques. Et troisième objectif, nous allons étudier l'effet des procédés prosodiques dans un texte poétique. Alors, qu'est-ce qu'une figure de style? Qu'est-ce qu'un procédé d'écriture? Nous allons essayer de définir ces notions. Alors, figure veut dire image. Le style, c'est la manière d'écrire. Figure de style, appelée aussi figure de rhétorique ou figure de discours, c'est une manière d'écrire qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue. Elle retient l'attention du récepteur et donne une expressivité particulière aux propos. Alors, pour procédé d'écriture, c'est un moyen d'expression dont il est possible de tirer du sens ou de dégager un effet. Et les procédés d'écriture dépassent le cadre restreint des figures de style pour toucher au vocabulaire, à la syntaxe de la phrase, à l'image ou aux images et au rythme. Je vous donne un exemple. Pour affirmer qu'un repas est bon, je peux me contenter de la phrase neutre « le repas est bon », mais je peux utiliser un procédé d'écriture, une figure de style, par exemple une litote. Je dis le moins pour suggérer le plus, alors je dis « ce n'est pas mauvais ». Ou encore, je peux utiliser une phrase exclamative, c'est un procédé syntaxique, et je dis que c'est délicieux. Alors, je commence par notre premier support. Je vous ai choisi un poème de Victor Hugo, chef de file du courant romantique et un des piliers de la poésie française. Et le poème s'intitule « La fonction du poète » et traite du thème de la poésie. Alors, je vous lis le poème. « Dieu le veut, dans les temps contraires, chacun travaille et chacun sert. Malheur à qui dit à ses frères, je retourne dans le désert. Malheur à qui prend ses sandales, quand les haines et les scandales tourmentent le peuple agité. Honte aux penseurs qui se mutilent et s'en va, chanteur inutile, par la porte de la cité. Peuple, écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré. Dans votre nuit, sans lui complète, lui seul a le front éclairé. » Alors, question. Dans ces vers, Hugo nous présente le rôle de l'écrivain, relever et expliquer deux procédés d'écriture qui rendent compte de cette fonction. Alors, l'élève est appelé à identifier deux procédés d'écriture et à expliquer leur sens. Et ces deux procédés doivent montrer la fonction ou le rôle de l'écrivain. Alors, regardons de nouveau ces vers pour reconnaître les procédés d'écriture. Alors, Victor Hugo, ici, est en train de nous présenter l'attitude de certains écrivains. Alors, que dit l'écrivain ou le penseur? Alors, le penseur dit à ses frères, « Je retourne dans le désert. » Il prend après ses sandales et il s'en va par la porte de la cité. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une certaine progression dans l'emploi de ces verbes, le verbe retourner, prendre et s'en aller. Et cette progression au niveau des verbes traduit l'attitude de cet écrivain-là. Alors, comment on appelle ce procédé qui consiste à disposer des mots dans un ordre croissant ou parfois décroissant? Voilà, c'est une anaphore. Alors, comment on appelle le procédé qui consiste à agencer des mots dans un ordre croissant? C'est une gradation, bien sûr. Et quel est l'effet de cette gradation? Pourquoi elle est utilisée? Donc, Victor Hugo nous décrit l'attitude de ces écrivains qui choisissent la fuite ou la désertion. Donc, ils quittent leur peuple qui est en proie à l'agitation et au trouble pour choisir
choisir, donc ils choisissent la fuite ou la désertion. Donc c'est une attitude démissionnaire. Alors nous allons voir l'interprétation de cette gradation. Alors, cette gradation ascendante retourne, prend ses sandales, s'en va, met en exergue l'attitude démissionnaire de l'écrivain, ce chanteur inutile qui affiche une indifférence à l'égard de son peuple en choisissant la fuite ou la désertion. Alors, nous allons chercher d'autres procédés d'écriture. Alors, regardez le troisième vers et le troisième et le cinquième vers. Malheur à qui ? Malheur à qui ? Victor Hugo emploie ces deux expressions au début des vers pour rendre compte de son avis concernant l'attitude de ces écrivains-là. Alors, comment on appelle ce procédé d'écriture qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots au début de vers ou de phrases ou de strophes? C'est une anaphore, bien sûr. Le poète emploie cette anaphore pour insister et pour montrer son avis concernant ces écrivains-là. Alors, malheur à exprime une malédiction. Le poète ou Hugo maudit tout écrivain qui décide de fuir ou décide de déserter, qui se démet de ses fonctions et qui refuse de sauver ou d'orienter son peuple. Alors vous voyez là une deuxième anaphore, écoutez, écoutez, et elle sert aussi à insister et à montrer l'avis de Victor Hugo concernant l'attitude du poète ou de l'écrivain. Alors, la première anaphore, nous allons voir son interprétation. Alors, la reprise anaphorique « Malheur à qui ?»« Malheur à qui ?» montre la condamnation et le mépris de Hugo pour tout écrivain démissionnaire et individualiste qui manque à son devoir et qui ne se préoccupe pas des problèmes de la société. Regardons maintenant l'interprétation de la deuxième anaphore. Alors, la deuxième anaphore, écoutez, écoutez, montre que Victor Hugo s'adresse directement au peuple, réclamant son attention et l'invitant à écouter le poète, ce rêveur sacré ou ce prophète qui a pour mission d'orienter, d'instruire et de guider la foule. Alors, la gradation et l'anaphore, deux figures d'insistance. Alors, je vous rappelle la définition de la gradation, c'est la succession de mots ou de groupes de mots d'intensité croissante ou décroissante. Vous avez « retourne, prend ses sandales, s'en va ». Je vous donne un autre exemple de gradation. Dans l'Avare de Molière, Harpagon dit « je me meurs, je suis mort, je suis enterré ». Cette gradation ascendante montre ou nous traduit l'état du personnage et sa réaction lorsqu'il découvre que sa bourse a été volée. Alors, je précise que la gradation sert à intensifier le sens, à exagérer parfois la réalité. Elle sert aussi à exprimer des sentiments et elle peut même avoir un but ironique ou comique. Alors, la deuxième figure, l'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots au début de vers, de phrases, de vers ou de paragraphes. Et vous avez l'exemple, malheur à qui, écoutez. Je vous rappelle l'effet d'une anaphore, donc bien sûr, c'est un procédé d'insistance, elle sert à insister, mais elle peut aussi servir le rythme de la phrase. Donc, dans une phrase ou dans un vers, elle crée une certaine cadence, un certain rythme. Alors, je vous donne un exemple d'anaphore, un autre exemple. Dans son poème « Liberté », Éluard dit « Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. » Donc, en répétant la préposition « sur », le poète insiste sur l'idée qu'il veut écrire le nom de la liberté partout. Alors,
avant de passer, nous allons voir d'autres procédés d'écriture qui se trouvent dans le poème. Vous avez des phrases exclamatives, des phrases impératives, donc ce sont des procédés syntaxiques. Vous avez peuple, une apostrophe, et vous avez une opposition de mots entre nuit et éclairé, c'est une antithèse. Nous allons voir ces figures-là, donc les figures syntaxiques, vous avez les types de phrases, donc les phrases exclamatives nous renseignent sur le ton accusateur de Hugo, qui désapprouve l'attitude passive et indifférente de certains écrivains. Les phrases impératives pour montrer l'engagement du poète et sa volonté de corriger le peuple. Et pour les procédés stylistiques, donc l'apostrophe montre que Hugo interpelle le peuple et l'antithèse oppose la lumière à l'obscurité, mais aussi la clairvoyance de l'écrivain à l'ignorance du peuple. Alors, passons maintenant à notre deuxième support et nous allons voir d'autres procédés d'écriture. Alors, le poème de Victor Hugo, 3 ans après, est écrit 3 ans après la mort de sa fille Léopoldine, et c'est une réponse à son public qui lui demande de reprendre l'écriture. Je vous lis le poème. « Il est temps que je me repose, je suis terrassée par le sort, ne me parlez pas d'autre chose que des ténèbres où l'on dort. Maintenant, je veux qu'on me laisse. » J'ai fini, le sort est vainqueur. Que vient-on rallumer sans cesse dans l'ombre qui m'emplit le cœur ? Alors, nous allons voir la question d'abord. Alors, relever et expliquer 2 procédés d'écriture qui traduisent le désespoir et l'affliction du poète. Donc, l'élève est appelé à relever 2 procédés d'écriture et qui montrent cet état ou ces sentiments du poète. Donc, le désespoir et l'affliction. Alors, regardons le poème. Alors, premier vers, « Il est temps que je me repose ». Donc, Victor Hugo emploie le verbe « se reposer » ici. Est-ce que ce verbe est à prendre dans son sens dénotatif ? Premier, un simple repos. Donc, il est terrassé par le sort, il est triste, il est dans un mauvais état. Et il dit « il est temps que je me repose ». Donc le poète parle de la mort, bien sûr. « Il est temps que je meure ». Mais il a choisi le verbe « se reposer » et non le verbe « mourir ». Et c'est exprès. Bon, d'abord, quel est ce procédé d'écriture ? Lorsque je remplace un mot qui renvoie à une réalité désagréable et choquante par un autre mot pour atténuer le sens ou pour adoucir le sens, c'est un euphémisme, bien sûr. Et Victor Hugo emploie cet euphémisme pour montrer son désir de se reposer ou de mourir, son désir d'abandonner cet état de désespoir, de se soulager de cet état de malheur avec la mort. Alors, nous allons voir le commentaire. Alors, l'euphémisme. Victor Hugo recourt à l'euphémisme pour atténuer l'idée de mourir. En effet, ce père ne redoute plus la mort. Au contraire, il l'aperçoit comme un repos, lui permettant de se soulager de ses peines et de rejoindre sa regrettée fille Léopoldine. Alors, regardons le vers 3 et 4. « Ne me parlez pas d'autre chose que des ténèbres où l'on dort. » Alors, de quel sujet Victor Hugo veut-il qu'on lui parle ? Alors, il ne veut entendre pour sujet que le sujet des ténèbres. Bon, je reprends de nouveau. Alors, regardons les vers 3 et 4. Alors, regardons les vers 3 et 4. « Ne me parlez pas d'autre chose que des ténèbres où l'on dort. » Alors, Victor Hugo parle à ses lecteurs, il leur dit « Ne me parlez pas d'autre chose que des ténèbres. » Donc, le seul sujet qu'il veut entendre, c'est les ténèbres où l'on dort. Alors, à quoi renvoie cette expression « les ténèbres où l'on dort » ?
Eh bien, ça renvoie à la tombe. Donc, comment on appelle ce procédé qui consiste à ne pas mettre le mot, mais à le désigner par d'autres mots ou par une expression qui sert à décrire, qui sert à apporter des caractéristiques de ce mot? Alors, le procédé, c'est une périphrase, bien sûr. Et Victor Hugo a employé cette périphrase pour décrire la tombe, ce lieu-là, donc, et donner les caractéristiques de ce lieu. C'est un lieu ténébreux, obscur et où l'on dort. Alors, quel est l'effet de cette périphrase? Alors, par le biais de cette périphrase, Hugo crée une image poétique décrivant la tombe. Ce lieu ténébreux reflète l'état d'âme de ce père affligé et terrassé. Alors, nous allons maintenant récapituler avec ce tableau-là. Donc, je vous rappelle que l'euphémisme est une figure d'atténuation. Donc, sa définition, c'est remplacer un mot qui désigne une réalité désagréable, choquante ou perçue négativement par un autre mot ou une expression pour atténuer. L'exemple, donc, vous l'avez, je me repose. Je peux vous donner d'autres exemples d'euphémisme. Pour désigner toujours l'idée de la mort, je peux dire partir, s'en aller, s'éteindre. Pour parler de quelqu'un qui est congédié ou renvoyé, je peux dire « il a été remercié ». Deuxième figure, donc c'est une figure de substitution, la périphrase. Alors, sa définition, c'est désigner une réalité par l'un de ses aspects caractéristiques sans la nommer directement. Vous avez l'exemple « les ténèbres ou l'on dort ». Je peux vous donner d'autres exemples de périphrases. Pour désigner Louis XIV, on peut employer la périphrase « le roi soleil ». Pour désigner Victor Hugo, je peux dire « l'auteur des Misérables ». Pour désigner le lion, je peux dire « le roi de la forêt ». Et dans une périphrase, d'habitude, on décrit l'objet, on donne les caractéristiques de cet objet-là. Donc, c'est une image poétique et donc ça crée une image poétique et même des images métaphoriques, mais il ne faut pas confondre périphrase et métaphore, hein, parce qu'il y a des points communs, mais la périphrase a une référence dans la mémoire collective des gens. Lorsque je dis « le roi de la forêt », pour désigner le lion, bien sûr, cette périphrase sert à désigner uniquement le lion et pas un autre animal. Mais il y a une analogie où je compare en quelque sorte le lion à, au roi. Alors, on revoit maintenant le poème pour dégager d'autres procédés d'écriture. Vous allez là, vous avez là la phrase négative, ne me parlez pas. Vous avez aussi le type impératif. Vous avez le type exclamatif et vous avez le type interrogatif et même une opposition entre deux verbes, le verbe rallumer et vous avez une opposition entre rallumer et ombre qui est une antithèse. Nous allons voir ces procédés d'écriture. Alors, pour les procédés syntaxiques, vous avez les types de phrases. La phrase impérative, « ne me parlez pas ». Hugo défend au lecteur de lui parler d'autres sujets, excepté celui de la mort. Les phrases exclamatives mettent en évidence son besoin de paix et de repos. La phrase interrogative, Hugo voit que lui rappeler son rôle de maître et de guide est inutile. Et pour les formes de phrases, vous avez la forme négative, ne me parlez pas, traduit son refus d'entendre les demandes de ses lecteurs.
Alors, regardons les procédés stylistiques. Donc, vous avez la question oratoire, donc c'est la même question. Donc, elle est une phrase interrogative, mais aussi une question oratoire. Donc, que vient-on montre que les tentatives des lecteurs pour amener le poète à l'écriture sont vaines, et l'antithèse entre rallumé et ombre oppose l'espoir et l'optimisme des lecteurs au désespoir et au pessimisme du poète. Alors, nous allons passer maintenant à un exercice à caractère ludique, donc un exercice sous forme de jeu. Je vous lis la question. Identifiez la figure de style employée dans chaque exemple et commentez son effet. Alors, regardons le premier exemple. L'ombre croît, le jour meurt, tout s'efface et tout fuit. Vous avez un vers de Lamartine tiré de son poème L'immortalité. Alors, quel est ce procédé d'écriture? Alors, vous avez des verbes croître, mourir, s'effacer et fuir. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a un certain ordre entre ces verbes? Alors, voilà, donc il y a un certain ordre, il y a une certaine progression ou gradation au niveau de ces verbes, donc croître, mourir, s'effacer, puis fuir. Le procédé, donc, c'est une gradation ascendante ou montante. Donc, vous avez l'ombre qui croît, qui prend du terrain jusqu'à ce que le jour meure et cède la place à la nuit. Et puis, avec les pronoms, le pronom « tout », le pronom indéfini « tout », répété deux fois, avec le verbe « s'effacer » et « fuir », accentue encore plus ce sens de fuite de temps et d'anéantissement. Alors, nous allons voir le commentaire. Alors, c'est une gradation, et cette gradation ascendante met au clair le caractère irréversible du temps et elle trace l'itinéraire de l'homme cheminant vers la mort. Alors, deuxième exemple, toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. C'est un vers de Corneille. Alors, quel est ce procédé d'écriture? Vous voyez là, il y a un adverbe qui est répété, l'adverbe « toujours » répété trois fois au début de chaque segment dans la phrase. Alors c'est une anaphore, voilà. Et quel est l'effet de cette anaphore, Alors, vous avez le personnage qui exprime ses sentiments. Eurydice parle à Suréna et elle exprime ses sentiments et elle montre qu'elle est prête à souffrir et à mourir pour préserver son amour ou à cause de l'amour. Alors, nous allons voir le commentaire. Alors, une anaphore et la reprise de l'adverbe « toujours » montre que cette amante est prête à endurer une souffrance éternelle pour préserver son amour. Alors, troisième exemple. Alors, un soldat jeune dort, il fait un somme. Je vous ai choisi cet exemple du poème de Rimbaud, Le Dormeur du Val. Et dans ce poème, Rimbaud parle d'un soldat assassiné dans la guerre. Et au lieu d'employer le verbe mourir, il dit le soldat dort, il fait un somme. Donc, on remarque que le poète n'a pas utilisé le verbe mourir, mais il a utilisé un autre mot. Alors, le procédé, vous l'avez deviné certainement, c'est un euphémisme, voilà. Et son effet, c'est d'atténuer le sens de cette mort et de décrire le soldat positivement. Alors, regardons le commentaire. Par les euphémismes, Rimbaud atténue l'idée de la mort et valorise le soldat assassiné en le présentant comme un dormeur souriant, comme un martyr. Alors, passons à un autre exemple. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Alors, regardez ces vers d'Aragon, vous avez reconnu certainement le procédé. Donc, c'est une phrase qui est répétée trois fois dans ces vers. Donc, que serais-je sans toi? Voilà, c'est une anaphore. Et quel est l'effet de cette anaphore? Alors, en répétant cette phrase
trois fois, et c'est une phrase interrogative, Aragon se représente une idée de lui ou une image de lui sans sa bien-aimée, Elsa Triolet, sans sa muse. Donc sans Elsa, il serait un cœur au bois dormant, un cœur désolé, solitaire, il serait un balbutiement. Donc cette anaphore montre l'importance de cette femme dans sa vie. Alors regardons la réponse. Au moyen de l'anaphore, Aragon insiste sur l'importance d'Elsa Triolet dans sa vie et exprime sa crainte de la perdre. Alors passons à un autre exemple. Alors, le papillon, ce billet doux plié en deux. Regardez ces deux vers de Jules Renard. Pour décrire le papillon, le poète a choisi cette expression, ce billet doux plié en deux, pour donner les caractéristiques de cette créature qui ressemble à un billet et qui a une qualité, c'est la douceur. Alors, quel est ce procédé? Bien sûr, c'est une périphrase, donc, au lieu de désigner le mot directement, j'emploie une expression équivalente pour donner les caractéristiques de l'objet en question. Ici, c'est le papillon. Alors, le commentaire. Par le biais de la périphrase, Jules Renard décrit le papillon en créant une image poétique. Alors, passons à un autre exemple. Alors, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. C'est un exemple de Racine. Alors, quel est ce procédé? Regardez les verbes voir, rougir, pâlir. Il y a un certain ordre ou une certaine progression, une certaine gradation dans ces verbes. Donc, Phèdre, la mante, voit Hippolyte, puis elle rougit, puis elle pâlit. Donc, on commence par le regard, puis le rougissement qui symbolise la naissance de l'amour, et puis vous avez la pâleur, le personnage est troublé à cause de l'amour, à cause du coup de foudre. Alors, le commentaire, donc c'est une gradation, et ce procédé insiste, ou ce procédé d'insistance met en relief le trouble envahissant de Phèdre à la vue d'Hippolyte. Donc, on regarde maintenant notre dernier exemple, car de combien peut-on retarder ? On regarde notre dernier exemple, car de combien de temps peut-on retarder le voyage ? C'est un vers de La Fontaine tiré de sa fable « La mort et le mourant ». Vous voyez là, La Fontaine a employé le mot « voyage » pour désigner la mort. Alors, quel est ce procédé d'écriture ? Je vous rappelle, il consiste à employer un mot de sens moins fort, plus adouci, pour atténuer une réalité choquante ou perçue négativement. Alors, c'est un euphémisme, voilà. Et La Fontaine emploie cet euphémisme pour dire que la mort est synonyme de voyage, c'est un passage, c'est la destinée ou le destin de toute personne. Alors, regardons le commentaire. Donc, cet euphémisme est employé pour atténuer une réalité choquante, c'est la mort, qui est perçue comme un voyage. Ce procédé sert à illustrer la morale de la fable. On doit accepter la mort. Alors, passons à notre troisième moment maintenant. Nous allons voir les procédés, certains procédés et leur effet rythmique dans un texte poétique. Alors, exercice, relevez les procédés les plus saillants dans le poème en prose de Baudelaire et expliquez leurs effets. Alors, je vous ai choisi paragraphe du poème de Baudelaire « Un hémisphère dans une chevelure ». Je vous lis le poème. Alors, dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux de toute nation et de navires de toute forme, découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur. Alors,
Regardons de près ce paragraphe. Nous allons chercher les procédés prosodiques qui font de ce paragraphe un véritable poème. Alors, dans l'océan de ta chevelure, déjà, dans cette expression, vous avez une figure de style. Alors, voyons à qui parle Baudelaire. Donc, Baudelaire parle à une personne désignée par tu, et elle est présente à travers sa chevelure. Vous l'avez reconnu certainement, c'est son amante et sa muse, Jeanne Duval. Et sa chevelure est décrite, elle est comparée à un océan. Donc, quel est ce procédé? C'est une métaphore, bien sûr, vous n'avez pas un outil de comparaison. Mais on remarque que le comparant océan est repris par d'autres termes, le mot port, le mot navire. Donc, à travers la première image, on voit d'autres images. Alors, comment on appelle cette métaphore lorsqu'on reprend le comparant par d'autres mots analogiques qui appartiennent au même champ lexical et sans reprendre le comparé? C'est une métaphore filée, bien sûr. Alors, pourquoi la métaphore filée? Pourquoi ce style imagé de la part de Baudelaire? Alors, Baudelaire nous décrit où nous parle de l'effet de cette chevelure sur lui. Donc la chevelure lui permet de voyager dans un autre monde, de voir un port, de voir des hommes vigoureux ou des matelots, de voir aussi des navires. Donc c'est toute une scène ou un tableau de peinture qui s'offre à ses regards et le poète ne reste pas indifférent à ce cadre-là. Vous avez les verbes qui renvoient à la perception, donc il entrevoit, verbe de perception qui renvoie à la sensation visuelle. Vous avez les chants, donc qui renvoie à la sensation auditive, et vous avez la chaleur qui renvoie à la sensation tactile. Donc tous les sens de Baudelaire sont en éveil, tous les sens sont sollicités. Nous allons voir donc l'effet de la métaphore filée. Alors, telle une mère, la chevelure de la bien-aimée permet au poète de rêver, de voyager dans un autre monde, un monde maritime, pittoresque, un univers onirique, de rêve, où se conjuguent les formes, les couleurs, les sons et les senteurs. Alors, nous avons vu ce procédé stylistique, la métaphore filée. Maintenant, nous allons voir d'autres procédés prosodiques, cette fois-ci rythmiques, qui font de ce paragraphe un vrai poème. Alors, regardez les lettres qui se répètent ou qui sont récurrentes dans ce paragraphe. Vous avez la lettre R. Est-ce que vous avez reconnu cette figure de style ou ce procédé? Donc, on répète le même son, ici une consonne, dans une phrase plusieurs fois. Alors, c'est une allitération, bien sûr. Et quel est l'effet de l'allitération? Pourquoi on emploie l'allitération? Alors, d'abord, l'allitération sert le rythme dans un poème. En répétant ce son, on crée une certaine musicalité. Et cela montre que le poète est sensible aux mots qu'il emploie. L'emploi de ces mots n'est pas gratuit. Et l'allitération ou la répétition des mêmes sons peut aussi servir le sens ou le thème du poème. Et ici, les allitérations en R peuvent nous renvoyer à ce son, à ce bruit qui se trouve dans le port ou dans ce monde aquatique, dans ce monde maritime. Alors, nous allons voir l'interprétation de l'allitération. Donc, d'abord, sa définition, elle consiste à répéter des sons formés à l'aide de consonnes. Et outre la musicalité et le rythme qu'elle crée, l'allitération en R pourrait suggérer l'univers maritime avec le bruit et le vacarme de son port et les chants mélancoliques de ses matelots. C'est comme si Baudelaire nous invitait à une rêverie, à une errance, à une aventure de son et de sens.
Alors, nous allons voir un autre son récurrent dans ce paragraphe. C'est le son en, c'est la répétition de cette voyelle en. Alors, comment on appelle ce procédé qui consiste à répéter un son formé de voyelles? C'est une assonance et nous allons voir son effet. La répétition du même son dans une phrase peut vous rappeler la répétition d'un son à la fin de deux vers ou plus. Je parle de la rime, bien sûr. Et le poème de Baudelaire est un poème en prose, il n'est pas versifié, nous n'avons pas de vers, nous n'avons pas de rime, mais on remarque cette musicalité ou cette cadence dans la phrase, donc l'assonance joue le rôle d'une rime interne dans ce paragraphe. Alors, et l'assonance peut servir le sens aussi. Parfois, il est difficile d'interpréter le sens d'une allitération et d'une assonance, et parfois, on peut trouver un lien entre la forme et le fond. Alors, nous allons voir la définition de l'assonance. Elle consiste à répéter les mêmes voyelles ou le même son dans une phrase ou plusieurs. Et l'assonance en « en » joue le rôle d'une rime interne. Elle crée une cadence et un rythme au sein du paragraphe. Ce son pourrait nous rappeler aussi la musique et les chants des matelots, ces chants mélancoliques. Alors, l'assonance et l'allitération... La figure de style qu'on vient de voir, qui est la métaphore filée, tous ces procédés font de ce paragraphe de Baudelaire un véritable poème. Vous savez très bien que dans ses poèmes en prose, Baudelaire a révolutionné la poésie, donc il a innové en poésie en se libérant des règles de la versification classique pour nous présenter des poèmes différents, mais il a gardé les images poétiques et il a gardé les procédés rythmiques et prosodiques qui sont caractéristiques de la poésie. Alors, nous allons voir maintenant un autre exemple et qui résume un peu tout ce qu'on vient de voir. C'est le même poète et le même support. C'est le poème « Un hémisphère dans une chevelure », mais une autre phrase. Je vous lis cette phrase. « Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux. » Alors. Dans cette phrase, vous voyez la même assonance en « en ». Vous voyez presque les mêmes verbes de perception. Donc, grâce à la chevelure, Baudelaire voit tout un monde, il sent et il entend. Donc, il ne reste pas indifférent. Tous ses sens sont en éveil, c'est un plaisir pour ses sens. Et vous voyez même une anaphore. Donc, en répétant tout ce que je... trois fois, il y a une cadence ou un rythme qui se crée dans cette phrase et elle ressemble à un vers. Alors, et il y a une constante chez Baudelaire, c'est la femme aimée ou cette muse qui lui permet de voyager dans un autre monde, un monde exotique. Je peux vous renvoyer à d'autres poèmes de Baudelaire, comme le poème « L'invitation au voyage » ou son sonnet « Parfum exotique » et où la femme est la source d'inspiration et elle lui permet de voyager dans ce monde imaginaire ou onirique. Alors, maintenant, je peux vous donner un autre exemple d'assonance, et cette fois-ci avec un poème de David Diop, « Afrique », un poème que vous avez déjà vu. Alors, je vous ai choisi ces vers, donc je vais les lire. « Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité, ce dos tremblant à zébrures rouges qui dit oui au fouet sur les routes de midi ?» Alors, dans ces vers, David Diop s'adresse à l'Afrique, sa patrie, et il décrit les Africains, ses compatriotes. Ils sont décrits comme étant des personnes souffrantes ou ils sont décrits comme des esclaves torturés
est maltraitée par l'homme blanc. Ils sont sous le poids donc, du colonialisme et sous le joug de la torture. Et vous voyez, l'assonance en haut peut avoir un effet. Tout à l'heure, j'ai dit que les assonances et les allitérations peuvent servir le sens. Parfois, c'est facile de les interpréter. Et ici, l'assonance en « ou » pourrait nous suggérer ce cri ou ce gémissement des esclaves qui souffrent à cause de la maltraitance, à cause de l'homme blanc. Donc les « ou » peuvent mimer ce gémissement de ces esclaves. Alors le choix de l'assonance et de l'allitération n'est pas gratuit. Dans la plupart des cas, il sert le thème du poème. Alors, je passe maintenant à un tableau récapitulatif pour voir les procédés d'écriture. Et bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive de tous les procédés. Je n'ai choisi que les plus fréquents. Vous avez les procédés syntaxiques, vous avez les procédés lexicaux d'abord, donc le champ lexical, le lexique valorisant, le lexique dévalorisant, les registres de langue, le registre familier, courant, soutenu. Vous avez les procédés syntaxiques ou grammaticaux, on peut s'intéresser aux types de phrases, aux formes de phrases, aux valeurs des modes et des temps. Et pour les procédés stylistiques, vous avez des figures d'analogie, comme la comparaison, la métaphore, la personnification, l'allégorie, la prosopopée, l'apostrophe. Vous avez aussi des figures de substitution ou de remplacement, comme la périphrase, la métonymie, l'antiphrase. Des figures d'atténuation, comme l'euphémisme, comme la litote. Des figures d'insistance ou d'amplification, l'anaphore, la gradation, l'accumulation, l'énumération, l'hyperbole. Des figures d'opposition, comme l'antithèse, l'oxymore, le chiasme. Des figures syntaxiques, comme le parallélisme, le chiasme, l'ellipse, la question oratoire. Et pour la prosodie, vous avez l'allitération et l'assonance. Alors, pour ne pas finir, donc, je vais vous donner quelques recommandations méthodologiques. Donc, pour répondre à une question de compréhension qui porte sur les procédés d'écriture, l'élève devrait systématiquement identifier le procédé ou reconnaître le procédé, le relever, bien sûr, c'est l'exemplification, donc il doit le relever et le mettre entre parenthèses. Et troisième étape qui est importante, c'est expliquer son effet. Ou pourquoi le procédé est-il employé. Alors, et nous aurons une autre occasion pour voir cela en détail dans une séance qui porte sur l'étude de texte. Alors, maintenant, notre séance touche à sa fin. Je vous souhaite une très bonne révision pour l'examen. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci de votre attention et je ne manquerai pas de remercier notre inspecteur de français pour son encadrement pédagogique, M. Semi Slimi. Merci de votre attention. Au revoir.